Je m'appelle Brice, j'ai 18 ans. J'habite à Melle-et-Dumène chez ma sœur. Et le week-end, je suis chez mes parents à Notre-Dame-du-Pé parce que aucun déménagement plein de confinement et on n'a pas trouvé, voilà. Je suis arrivé ici à 16 ans, j'ai appris tout sur le champ. J'ai même appris à conduire et après m'a appris à faire de la débrousseuse, à tailler, plein de trucs, voilà. On y fait plusieurs ateliers, déjà atelier espace vert, atelier bois, atelier cuisine, atelier sous-traitance et aussi atelier blanchisserie. Un nouveau atelier de cette année. Je viens tous les matins ici. J'arrive en minibus et je remonte après pour prendre mes affaires, mes sacs. J'attends Monsieur Joël. Joël, c'est mon référent et mon éducateur technique de l'atelier espace vert. Il est super gentil. On peut faire plusieurs trucs comme un truc. Comme des fois, il y a la tonte, c'est toute la journée complète. Et après, d'autres trucs, désherber, faire de l'hiver, c'est beaucoup de souffleurs pour les feuilles, tout ça. La cabane à bagages est faite. J'ai fait la clôture en face de la serre. J'ai fait la volière. Moi j'aime bien conduire les engins, utiliser les machines. Entre la tonte et la taille, je peux faire la tonte. La taille, j'aime pas trop et je fais quand même, j'ai pas le choix. C'est dans le métier logiquement. Je prépare un métier espace vert. Comme là, dans un ESAT. Je reviens de stage. J'étais 3 semaines à Neuilly-sur-Écouen. J'ai fait du tracteur, j'ai fait de la débrousseuse, j'ai fait du souffleur, j'ai fait de la taille, j'ai fait plein de trucs. J'étais avec d'autres éducateurs techniques. On prépare le camion le matin et après on file sur les chantiers. J'ai des rêves, c'est d'avoir un appart. Un travail, gagner ma vie et le permis. Tous mes frères, sœurs et ma sœur jumelle ont le permis sauf moi. Et c'est rageant des fois. Je peux faire mes débrouilles tout seul et pas embêter les autres. Je suis très très fier. Il n'y a pas beaucoup de jeunes à faire ce parcours-là. Mais moi tout début, je suis arrivé ici, je ne peux pas me tenir 2 minutes sur une chaise. Et aujourd'hui, là, je suis posé, je suis bien. Il ne faut pas l'embêter.